Qu'est-ce que la liberté? C'est question d'aller mal à la tête. La liberté, c'est ça, sentir vraiment soi-même. Pouvoir choisir ce qu'on veut et pouvoir faire ce qu'on veut. Si quelqu'un se croit capable de faire quelque chose et croit pouvoir le faire sans avoir peur, je sais pas. La liberté. Minsk est ici, c'est la capitale. Il y a Mogilev et il y a des projets qui se déroulent aussi dans le nord ici. C'est la frontière de la Lituanie en fait. C'est dans une région qui n'est pas du tout irradiée. Tchernobyl, ça s'est passé en Ukraine, à la frontière ici. Mais à cause des vents, il y a eu des radiations qui ont été poussées vers la Biélorussie. Mais en fait, pourquoi il y a un projet de camp d'enfants au nord du pays? C'est plutôt qu'envoyer des enfants aux États-Unis, en Finlande et tout, ce qui était un peu fou. Il y a des régions encore qui ne sont pas polluées dans le nord du pays. Donc, les enfants de cette région-là vont bénéficier de l'air pur là-bas. Et projet de travail, l'environnement, construction puis animation auprès des enfants. Pas de danger pour la santé, là, craignez pas. Vous ne serez pas irradié là-bas. La liberté est probablement le droit de faire ce que tu veux sans porter préjudice à personne, ni à présent, ni dans le futur. Là, on a pris le train, puis on a débarqué à Minsk. Il y avait des signes communistes à l'intérieur de la douane. C'est spécial de voir ça pour la première fois, vraiment, le signe marquant du communisme. Tu sais, on est à Minsk, en ex-URSS. Ils ont certaines manières qu'on n'a pas. Ils ont un savoir-vivre qu'on n'a peut-être plus ici. Ça s'appelle tous Sergei. Je me rappelle l'accueil à la gare. On a été accueillis. C'était pas vraiment un accueil. Il n'y avait pas vraiment de formalité, je trouve. Ils étaient là, ils nous attendaient. Puis j'ai senti que c'était plus moi qui devais leur dire bonjour. C'est moi qui devais plus aller vers eux. Ils étaient pas vraiment impressionnés par nous. Là. Faut aller vers eux, il faut pas disons, être paresseux là. Socialement. Faut se forcer un peu. On a pris du thé. Là, on était un peu craintifs à cause de l'eau. On avait peur, on était pas très bouillis, mais ça a bien passé. Les vieux ont l'air marqués parce que c'est eux, finalement, qui ont traversé l'époque difficile, je crois. Puis je pense que c'est eux qui ont souffert le plus. Ils ont été comme un peu des marionnettes pendant longtemps. Tout d'un coup, ben, on leur enlève leur code, on leur dit « marchez par vous-même ». Je m'aperçois qu'on boit beaucoup de thé ici. Ils sont pas habitués de voir des touristes qui viennent voir leur ville, visiter leur ville, de voir qu'il y a des gens de l'extérieur qui sont intéressés à visiter l'endroit où ils habitent. C'est comme si c'est nouveau pour eux. Les Bélarusses préfèrent parler le Bélarusse, mais comprennent tout à fait le russe. Il n'y a pas le fait qu'on a payé l'autobus. Il nous disait, si vous faites, si quelqu'un vous demande vos billets, dites que vous comprenez pas. Puis c'est vrai, on comprenait pas. Mais la plupart des gens, peut-être pas non plus. Tu sais, comme en Europe de l'Est, mais Prague, Budapest, là, c'est le gros capitaliste sauvage. Tu sais, les publicités partout. Puis là, on a vu quelques affiches Coca-Cola, Pepsi. Bon, on en a vu un peu, mais pas tant que ça. Isabelle puis moi, on est allés au stade un soir, puis on a dit comment ils vont faire pour remplir le stade. Il n'y a personne dans leur ville. Puis dans le fond, je me rends compte, je ne sais pas vraiment. Beaucoup plus au niveau de la politique, au niveau de l'histoire, même au niveau de la géographie. On entend souvent parler de l'ex-URSS comme... Pour moi, c'est un peu l'autre bout du monde. Là. C'est un peu plus le tiers-monde. Là, j'ai remarqué que c'est peut-être là qu'ils investissaient plus dans la culture plutôt que d'aller rénover puis d'aller réparer les toilettes publiques, des choses comme ça. C'est peut-être un choix qu'ils ont fait, là.
est grand, tout est immense. On dirait que tout a été pensé d'une façon beaucoup trop grande à cette époque-là, d'une façon mégalomane. C'était... c'est comme un rêve, un peu. Il y a un côté égoïste là-dedans, c'est pour moi, là, pour l'expérience, pour, bon, pour voir d'autres choses. Je ne suis pas capable de rester sur place. Je sais que ça va m'arriver un jour, je n'aurai pas le choix de rester sur place, mais en ce moment, je ne suis pas capable, j'ai plein d'énergie, il faut que je bouge. Puis, je sais pas, c'est intéressant de savoir que sur la même planète, là, il y a des gens qui vivent complètement différemment, des gens qui mangent des choses complètement différentes, il y a des gens qui... Tu sais, on est tous ensemble. Moi, je sens qu'on est tous comme une grosse, grosse famille. Là. Je sens cette espèce de, d'union universelle. Moi, je la sens personnellement, puis je trouve ça vraiment intriguant de savoir que... On est tous sur la même terre, puis c'est pour ça que j'ai envie d'y aller. C'est une ville qui avait été complètement détruite après la Deuxième Guerre. J'étais surpris de voir qu'il y avait quand même beaucoup d'immeubles, puis beaucoup d'édifices et de constructions qui avaient l'air très bien construites, puis très, très élaborées là, comme architecture et tout. Le lendemain, on est allé dans un restaurant de l'État. Il y avait une certaine odeur qui sortait des tissus, des chaises, des nappes, des rideaux. On dirait que c'était poussiéreux un peu, tout était un peu abandonné. Tous les décors, tout le design était des années 50. Je m'imaginais dans cette époque-là comment c'était beaucoup plus vaste, où est-ce qu'il y avait beaucoup plus de monde, de prospérité, de joie, de couleurs. On a donné du pourboire à la fille. Elle était vraiment mal à l'aise. C'était peut-être la première fois que ça y arrivait que quelqu'un lui donnait de l'argent, tu sais, comme une gratification directe là, du client à l'employé. T'sais. D'habitude, elle est comme payée par l'État, là, c'est quelque chose de, d'abstrait. Normal, elle l'a pris, discrètement, elle l'a pris, puis elle partit un petit peu. Là. Mais elle a le droit, pourtant, maintenant. Ils sont encore craintifs, c'est trop... Un changement radical, ça prend, va prendre des années, je pense. What is liberty? C'est difficile à dire. C'est très difficile de mettre des mots sur quelque chose que tu as toujours eu ou que tu crois avoir toujours eu. Je pensais qu'ensemble, en groupe, vraiment, qu'on allait faire quelque chose, puis qu'on allait essayer, qu'on allait pouvoir vraiment ouvrir les yeux des gens un peu qui travaillent dans notre environnement un peu, puis les faire réaliser un peu qu'il y a de l'espoir, puis qu'il y a des choses qui peuvent changer aussi, puis facilement, puis efficacement. Ce camp a ouvert ses portes en 1969 et recevait en général les enfants militants du mouvement des pionniers. C'était l'endroit où venaient les membres de cette organisation d'enfants soviétiques. Actuellement, c'est un centre où viennent les enfants de toutes les associations, de tous les groupes sociaux, y compris ceux des familles immigrées de la zone de Tchernobyl, ainsi que les enfants habitant Minsk, Vitebsk, Mogilev, etc. Le camp reçoit également les délégations étrangères, y compris celles des pays de l'ex-URSS, comme l'Ukraine, la Moldavie, la Russie. À leur arrivée, les enfants entrent dans un monde magique de contes de fées où ils vivent la situation de Robinson, une sorte de jeu d'aventure où les enfants font des voyages magiques.
Ils vivent ici un morceau de leur vie comme si c'était leur propre république où ils sont à la fois constructeurs et créateurs et où on leur réserve le droit de se sentir libre, le droit de réussir dans cette vie, de faire quelque chose d'important, d'aller au-delà de ses capacités. Et chez nous, tant pis. J'avais l'impression qu'ici, j'aurais vraiment à m'adapter et à voir des choses que je connaissais pas. Et... C'est le but de mon voyage, je pense. Puis, dans le fond, c'est un peu le but de ma vie, là, de ne pas tomber dans la routine puis avoir à m'adapter. Puis, je voulais travailler avec des enfants. Je voulais pas me retrouver dans le bois. Dans le bois isolé, je veux dire. Tant qu'à venir aussi loin, aussi bien rencontrer des gens, c'était... Même si j'étais un petit peu déçue parce que la forêt, elle ressemble beaucoup à chez nous. Puis aussi, c'était celui qu'on m'avait dit qui était le plus organisé, que je serais sûre de faire quelque chose. 10, Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui font du travail de coopération puis des activités sociales comme ça. Je me sens vraiment privilégié. C'est peut-être une des raisons aussi pourquoi je ressens le besoin ou le devoir de faire quelque chose, de partir. Je dois donner de moi un peu. J'ai eu la chance de faire... Tu sais, je suis gâté, c'est incroyable, tu sais, dans le fond. C'est ça que je réalise, tu sais. Раз, два, три. Книжек. Le projet s'appelait Anti-Tchernobyl, mais c'est... C'était plus pour faire notre publicité au Québec, dans le fond, qu'on se servait de ça, quasiment. Quand on disait aux gens, on a besoin d'argent, puis ils disaient, ouais, que ça allait faire un ex-URSS, on disait, c'est pour aider des enfants de Tchernobyl, mais dans le fond, on savait pas vraiment c'était quoi. La liberté, c'est quelque chose que tu peux dire aux autres, mais qu'ils ne veulent pas entendre. I love you. J'aurais jamais cru que j'ai autant de plaisir juste avec mes simples crayons que j'ai achetés à Brossard 10 minutes avant de prendre l'avion. Les enfants, même si on n'arrive pas à parler la langue, c'est toujours une communication, je sais pas. On arrive à se comprendre quand même. Que ce soit par un sourire, c'est le langage universel. Hein. Rire, s'amuser, des choses comme ça. C'est la première fois que je suis en relation si proche avec des étrangers. On habite ensemble. Et j'ai remarqué que ce sont des gens tout à fait différents. Ou plutôt, leur mode de vie est tout à fait différent du nôtre. En apparence, ils sont comme nous. Je m'étonne parfois de voir qu'ils ne parlent pas en russe. En les écoutant parler français ou anglais, j'ai l'impression qu'ils le font pour plaisanter et qu'ils finiront par prononcer des mots russes. Ну я пенсионер, ну как? Это трудно, а? Это трудно? Нет. Нет, трудно? Нет, трудно. Ils peuvent nous parler de la vie dans leur pays. Ces camps d'été donnent une chance de se rapprocher, de se lier d'amitié, d'apprendre comment les gens vivent ailleurs. Il y a 8 étrangers chez nous. 3 Canadiens, 2 Belges, 2 Suisses et 1 Américaine. 2 Швейцарии et 1 Американка. Ну, бери. Dans le passé, j'avais voyagé seul en tant que touriste. Je trouvais ça plate de voir que... On n'apporte pas nécessairement grand-chose à ces gens-là, à part du capital, genre qu'on dort dans les hôtels, tout ça. Globalement, je trouve que on n'apporte rien en tant qu'aide, en tant qu'échange. Ah. Сейчас, получится. Бумага. Дай. Много бумага. Много? Нет, немного. Не умеешь? Не умеешь. А.
Спасибо. Все горит? Горит. Ну что ты меня там все? Ёб твою мать. Un philosophe a dit que la liberté, c'est quand la personne n'est pas sous dépendance. Les enfants admirent tout ce qui vient de l'étranger. Les États-Unis, les jeans, les t-shirts, le chewing-gum. Nos aspirations sont différentes. Peut-être ils sont encore jeunes pour cette liberté. Et nous n'avons pas encore cette liberté. Ni ce mode de vie. Je n'arrive pas à expliquer tout ça. C'est apparu récemment. Notre pays n'est pas habitué à ce genre d'évolution, de morale. Pour moi, c'est comme une révélation.